C'est comme la fois où j'étais dans une salle d'attente pour 6 heures. Oh mon dieu, arrêtez de me taper. N'empêche, au final, je veux dire, c'est des victimes. C'est Petrova qui est la méchante de l'histoire. En tout cas, c'est elle qui les tue, quoi. C'est elle qui les défonce. S'il y a quelqu'un qui viole quelqu'un d'autre, c'est elle, pas eux. C'est la triste vérité. Petrova, l'héroïne... Oh merde, je voulais pas rentrer. Bon, c'est pas grave. L'héroïne que nous pensions qu'elle était n'était autre, en fait, que là, je me suis par contre totalement perdu. C'est bien, on trouve un autre sujet pour enchaîner. J'en ai pas, c'est parfait. Bon, vous avez vu, la structure de cet endroit est quand même bien foutue. C'est joli, non? Vous trouvez pas? Oh mon dieu, il y a quoi par ici? Des insectes. Ouh, des boss, j'aggro tout le monde. Venez que je vous défonce. Campanile dans ta tronche, viens, mange. Par contre, j'ai plus d'esprit, là je suis dans la merde. Allez, vous y! Oh yeah, Petrova, en feu. Personne n'arrête Petrova, personne. N'empêche, j'ai beau dire, ce jeu est foutrement bien foutu. On dirait qu'on est en train de jouer sur un artwork, sur une putain d'œuvre d'art. D'ailleurs, en parlant d'art, tiens, j'ai trouvé un sujet. Je m'adore, non, je déconne. C'est quand même triste, je trouve, le métier que font ces gens-là. C'est-à-dire les créateurs de ce jeu, non pas les concepteurs du gameplay ou le level design ou autre, non, non, les concepteurs de l'art, justement, les dessinateurs, les infographes. Aïe, 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 doucement, 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 le gros, doucement. Je sais que tu aimes Petrova, mais doucement. C'est quand même, je trouve, un travail assez ingrat. Pour la simple raison, je sais pas si y en a parmi vous qui font ça, je veux dire, du Photoshop, de la 3D, des trucs dans le genre. Mais par exemple, rien que pour cette zone là, ils ont dû passer des heures et des heures dessus. Pour tout ce niveau, tout cet étage, j'imagine que c'était des journées à travailler. Et nous, en tant que joueurs, nous y passons, je sais pas quoi, 5 minutes, 10 minutes, et voilà. Et c'est le cas pour les dessinateurs et tous les comme ça, je veux dire qu'on voyait d'artwork d'un jeu qui a été fait justement par la compagnie. Certes, ils ont été payés, donc voilà, c'est pas nécessairement ingrat, mais vis-à-vis de la reconnaissance de nous autres joueurs, c'est voilà, c'est un travail assez ingrat. Ils passent des heures à tirer des balles dans la tête, à essayer de trouver la forme parfaite, à refaire leur dessin des centaines de fois. Et le client, ou si vous voulez, nous, les joueurs, on vient, on regarde la photo une fois pendant, quoi, 10 secondes, et on passe à autre chose. Voilà. C'est quand même de la merde, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est... Faut aimer, faut aimer. Moi, je sais pas si j'en serais capable de... Je suis un amateur de dessin, pour ceux qui le sauraient pas. Je dessine comme un pied, mais j'aime ça, quand même. Mais voilà, je sais pas si je serais capable de faire ce qu'ils font, de me faire du taf pendant 5 heures pour finalement que les gens regardent ça à 10 secondes. ouais, je sais pas, c'est... Faut avoir des couilles en or pour faire ça. Ouais. Ouais, je sais pas d'où je l'ai sorti, je sais, c'était pas nécessairement le bon endroit pour la sortir, mais je voulais la sortir, je vous emmerde. Par contre, vous m'excuserez, à un moment, vous allez probablement... D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre quelque chose à écouter. Le conseil m'implore de ne rien en faire, mais je vais poursuivre les exécutions de tous ceux qui se révèlent à mes yeux coupables de conspiration contre le royaume. Peut-être mes conseillers craignent-ils que mon regard inquisiteur ne se tourne vers eux et ne perce alors à jour de traîtres machinations. Lazare est le seul en qui je peux vraiment avoir confiance. Lazare. Tellement profond tout ça. Oui. Je sais. Bon, le feu, tu te calmes? Non? Non? Voilà. Cours! Cours! Et brûle en fait, voilà. Mais bon, en même temps, ça fait pas tellement de dégâts. Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Mais on va dire que c'est Petrova, ses jambes d'acier, voilà. Le feu, elle s'en balance un petit peu. Ouais, non, vas-y, si tu veux. Ouais, non, je m'en fous. Je m'en fous totalement. J'ai pris la potion sans le faire exprès. C'est bien. Aïe, pardon. Vous avez probablement entendu ça ou pas. C'est pas grave. Par contre, ça va, les amis? Faut vous taper pour vous réveiller un petit peu. Oui, je sais, pour ceux qui seraient en train de hurler, mais c'est par là-bas, je sais que c'est ici, là où il faut aller. Mais tant qu'à faire, explorons un petit peu. J'ai enfin pu me défaire de la malfaisante influence qui cherchait à me dominer. Et je vois aujourd'hui les choses comme elles sont. Cette cabale impudente des villageois qui visait à m'affaiblir en m'enlevant Albrecht ne saurait être tolérée.
Peut-être la vue des têtes de leurs femmes et enfants dansant au bout de nos pics pourra-t-elle les ramener à de meilleures dispositions. Et hop là! Oui, je sais, mais si on est revenu, c'est que j'ai tellement d'inventaire qu'il faut bien vendre et faire le vide. Artisanat, oui, on va vendre tout ça. Tiens, oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Recycler, voilà. Paf. Pif. Bim. Pouf. Splash. Sploche. Oh mon dieu, je sens qu'il va aller me suicider avant la fin de cette session. Si. Oh si. Parce que je dis des conneries à un point que des fois je me dis. J'espère qu'il y a personne qui regarde cette vidéo. C'est un peu contradictoire, me dire à vous, oui, je sais. Je me dépasse des fois. Hop, ouais. Oui, cette fois je varie pas trop. Regardez la même tonalité sonore pour cette série de ventes. Car voyez-vous, cela était nécessaire pour la compréhension. De ce jeu, je ne sais pas ce que je raconte, mais je raconte. Oui, je crois que je vais aller fermer ma gueule et me mettre quelque part. Oui, ta gueule, lâche, ta gueule. Bon, assez déconné, plus sérieusement, on se dirige tout droit vers l'objectif principal qui consiste en fait à aller aux hôtels. Ok, je pensais qu'on allait se retrouver directement avec Magda, mais non. Apparemment, je suis pas aussi bien que je l'espérais à l'histoire. Bon, c'est pas très grave. J'avais l'espoir que cette fois on rencontrerait enfin Magda et qu'on lui mettrait un pied tellement dans les fins fonds de son arrière-train qu'elle repenserait à deux fois avant de s'attaquer à Léa. Mais bon, on se contentera de lui mettre les points. Je sais pas ce qu'elle va dire, elle est embêtée. Je m'aime bien, j'aime bien cette capacité que j'ai à m'arrêter en milieu de ma phrase et à passer à autre chose. C'est quand même un talent, non? Enfin, je crois. Trop de monde là, par contre. On va défoncer ça, vite fait, bien fait. Oui, s'il y a eu silence d'un coup, c'est que je me suis étouffé. Désolé. Moi, c'est des coups. Ouh, de l'or. Quand même. L'objectif. Mais l'or, c'est l'or. C'est quand même bon, tout ça. Ok, ça c'est du boss, donc va falloir faire gaffe. Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué sur Z à la place de cliquer. Voilà. Où est-ce que tu vas, ma belle? Ah ouais, il m'enfire. Sans problème. Vous firez Petrova en échange. Elle vous défonce. Oh yeah, avec un boss. Enfin, y a pas de féminin pour boss, j'imagine. Oui, mon anglais non plus, mais oui. Je maîtrise aucune langue si vous vous posez encore les questions. On sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui sont lents, hein. La détente et je me suis planté le chemin like a boss. Mange-toi un peu de Campadilla et fous-moi la paix. De clochette si vous préférez. Ok, bon, eux on va les laisser méditer tranquille. Ils veulent pas de baston. Petrova se sent d'humeur magnanime. Magnanime, oui je sais. J'ai prononcé ça comme une merde. Mais tant mieux, hein. C'est pour le bêtisier. Oui, je prévois ça. Non, je me fous de votre gueule, hein. Ne vous attendez pas à le bêtisier. Déjà, vous faire des vidéos, j'y arrive à peine. M'en manquerait plus qu'à essayer de faire quelque chose de complexe. C'est-à-dire éditer une vidéo, vous savez, faire tout le tralala. Y'a quoi ici? Une hache de guerre. Nice. Ah bah, les deux points. J'aimerais bien qu'elle puisse en fait utiliser toutes les armes. C'est pour ça que des fois j'aime bien jouer les gros guerrières, les gros guerriers. Dans la plupart des RPG, pour la simple raison que vous avez très souvent l'opportunité. Wow! Ça c'est ce que j'appelle un bain, hein. L'opportunité d'en fait tout équiper, les grosses armures et les grosses armes, etc. Donc, ça c'est un bain de sang digne de Petrova. C'est du badass level. Ça, c'est du niveau épique, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé ici, une orgie qui a mal tourné, quelque chose dans le genre. Oh, désolé, je voulais pas faire ça, en fait.
suite, mais bon. De toutes les façons, il avait l'air assez mort, donc hein, c'est pas rat de cauchemar grâce à ça. J'en exécute un autre, non? Bon, ben, je crois qu'on va laisser tout ce zonzon tranquille. Et on va monter, finir notre quête. Surtout que là, ils sont en train de spawn méchamment. Donc, on se barre vite fait. Oui, ma politique pour cette session est d'esquiver tout le monde. Magda y comprise. Y comprise, oui, je sais. C'est magnifique, j'adore mon français. Ah ouais. Ah ouais, je sais que vous êtes tous jaloux. Je vous emmerde. Ok, petite embuscade. Paix. Faut vraiment que j'arrête de jouer à LoL et à Diablo en même temps. C'est... Parce que là, ça fait 3 fois que je zoome plutôt que d'appuyer sur 2, qui était mon objectif initial. Donc bon. Non, c'est lui que je voulais pop. Derrière, ça. Ah ouais, quand même. Prêtre en direct des Saiyans en fait. C'est blond déjà. Ils se téléportent. Ils ont des trucs assez flashy. Bon, j'avais pas assez de... Ok, on les met tous là. Et une petite clochette dans ta tronche. Pour la route. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est manger une tonne de fer. Littéralement, 1000 kg de fer dans les dents. Ça fait toujours plaisir. Karza ou pas. Go die. Non, non, non. Fallait courir bien avant. Bien avant. Si, si, bien avant. Bon, il est où l'archer qui va me faire chier? Ou le mage dans ce cas précis? Voilà, parfait. Et clochette pour la route. Ok, donc on s'approche. On est dans le donjon maudit. Est-ce qu'ici? Non. Ah ouais, là je me rappelle un petit peu mieux. Je suis Asila, reine de notre bien-aimé Léoric. Mes serviteurs et moi fûmes victimes de sa folie. Je vous donne ma bénédiction, championne. Allez les libérer de leur éternel tour. J'avais pas vraiment besoin de ta bénédiction pour être gentil. Privé de l'éclat du soleil, je ne peux plus suivre le déroulement des jours. J'entends le gardien qui discute mon sort avec mon mari et ce chien de Lazare. Ma vie touche à sa fin. Et pourtant... Loué soient les dieux. Je sais pas s'il l'a interrompu, mais j'imagine que c'est ça ce qu'on doit aller faire, les sauver. Et faire planter mon PC en même temps, c'est tout aussi bien. Donc on va aller sauver tout ce beau monde et en espérant que ça nous rapproche petit à petit de Magda. Libre. Libre. Oh. Louis soit Akarat. Louis soit Petrova, c'est moi qui t'ai sauvé, enfoiré. Enfin c'est elle, moi. Oui, c'est complexe de jouer une fille. Quand vous êtes pas une fille. Vous pouvez pas utiliser une... moi. Et... Oui. Je suis perdu. Cela me fait douter de moi-même. Comme d'hab, c'est un donjon, c'est le bordel, je vais me perdre. Je le sens. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, je les ai vus. J'espère qu'ils vont... Bon, ils m'ont chopé. Est-ce que je vais arriver? Ah, la cabosse Petrova vous ignore. Garde, il y a un intrus parmi nous. N'ayez aucune pitié. Une intruse. Oui, je sais. Oh, les grelards, ça faisait longtemps. Oh là, par contre, les grelards, on se calme là. On se calme, les grelards. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec cette clochette, c'est qu'elle fait des dégâts au corps à corps. En plus, elle les défonce à distance. C'est quand même badass, j'ai envie de dire. C'est un sort tellement pratique. Oui, je sais, il nous a rien fait, mais... Oui. Libre. Après tant d'années, je suis libre. Là, il n'y a rien. Ok, je pensais... On les défense. Est-ce que je peux les... Oh yeah, la cabosse. Bon, c'est vrai que claquer une clochette pour les défoncer à chaque fois, ça va pas le faire. Mais c'était fun. C'est worth it. Worth it. Oui, je sais que ma prononciation est badass. Mange-toi une clochette! Mange-toi! Ok, j'ai pas assez de mana. Ouais, d'esprit, pardon. Oh yeah. Il est mignon avec son bouclier. Ouh, ça fait beaucoup de monde avec des grosses haches qui font peur.
Et toi, t'es pas très précis avec... Voilà, parfait, parfait. Oui, je sais, je me suis calmé comparé au début. Après tant d'années... Merci, championne. Mes serviteurs sont libres. Mais la malédiction qui pèse sur cet endroit persiste. Trouvez le gardien, au centre du donjon, et faites cesser ses maléfices pour toujours. Soit. Rien que parce qu'elle dit championne et non pas champion, ça veut dire que Blizzard a bien fait son travail. Ah, pour une fois, ils sont en train de me dire où je dois aller, c'est quand même rare sur ce jeu à la... ce jeu est tellement plaisant. Wow, wow. Boss, boss, boss que je stun parce que badass Petrova, mange-toi une clochette. Je sais que tu aimes, c'est bon les clochettes, c'est bon. Mange. Comme je vous disais, désolé si je me suis un peu...